Alors, comment Allah subhanahu wa ta'ala lui tester nous à travers sa petite chose? Et ensuite, comment un démon lui bénéficier avec sa test, sa épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Inch'Allah, dans notre prochaine session, il faut apprendre comment un démon lui réagir face à sa épreuve. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Balad, numéro 4, il dit « Laqad khalaqna l'insana fi kabad » qui certainement il fait créer l'insan dans kabad. Kabad veut dire que sa démon il n'a pour passer devant une difficulté et il n'a pour faire des efforts, la peine. Donc Allah pas fini envoyer nous sur la terre pour nous faciliter à l'aise sans aucun effort, sans aucun problème, sans aucun la peine, non. Allah fait créer nous pour nous vivre sur la terre pour nous faire des efforts, pour nous passer devant des problèmes et des difficultés, parce que ça la terre, c'est Dab al-Ibtila. C'est une place côte, Allah lui permet nous à l'épreuve. C'est dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait à nous, gagne son paradis par son faveur, c'est dans le paradis Allah subhanahu wa ta'ala qui paye dans ses efforts, qui paye dans la peine, qui paye dans aucun négatif. Il n'y a aucun effort, aucun fatigue, aucun non rien. Ça, c'est dans Jannah, ça. Parole à la terre. La terre, la pas de khalaq dans l'insan a fait kabad. Allah fait créer l'insan ou passe devant difficulté. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'an'am, al numéro 42, il dit Wa laqad arsalna ila umamin min qablik. Il cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Certainement, nous finons envoyer un message et un messager vers un peuple qui tient avant toi. فأخذناهم بالبأساء والضراء et nous fin trabzot nous fin tuzot nous fin trabzot avec ban baksa et dorra. Baksa et dorra, c'est ban difficulté, ban la peine, ban problème, ban calamité, ban catastrophe, tout ban qui sont négatifs. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala sur l'A'raf à 14 lui dit wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa, nous pas fin envoyé vers aucun peuple, vers aucun la ville, aucun village, un prophète, excepté qui, Ahavna Ahlaha Bilbaqsa Iwad Dorra, nous fait trappe sa population à travers ban difficulté, ban problème, ban calamité et autres. Donc ça montre nous qui, tout ban peuple qui vient venir avant, les bans affaires juste pour nous ça. Les bans affaires spéciales juste pour Ummat Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ça. Non. Il y a un principe d'Allah subhanahu wa ta'ala, un sunnat d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'humanité en entier, à partir de l'insan, l'humanité qui existe sur la terre, à partir d'Adam alayhi salam. Et il peut continuer jusqu'à Yawm al-Qiyam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Ali Imran, ayat numéro 186, il dit La tublawunna fi amwalikum. Donc là, c'est Allah donne un petit peu plus de détails. Donc, il y a une façon qu'il peut tester nous à travers une calamité, à travers les mal, à travers un problème, à travers une difficulté. Donc, il y a une différente façon qu'Allah peut tester nous. Allah dit Tout la wunna fi amwalikum. Je peux être testé pour mettre d'autres à l'épreuve en relation avec d'autres richesses. Wa anfusikum. En relation avec nos nafs, nous l'écho. Il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a des difficultés, ou bien. Ben, membre de la famille, limo. Alors Allah peut tester nous à travers nous la vie. Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Et je peux t'en de la part des ban qui t'y a les livres auparavant, ban ahlul kitab, ban yahoud, ban nasara, walladhina ashraku et ban mushrik. Ben, dit à tout ban koufar, je peux t'en de vous faire face de la part de sa ban koufar. Avan kathira, beaucoup ban le mal, beaucoup ban problème, beaucoup ban difficulté, qui ban là pour faire, ban croyant, ban kena iman, comme ban test, comme ban épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pena doute, tout ce qui est arrivé dans la terre là, il arrive pas par permission Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe qui a une injustice, dominé, l'oppression, qui a un koufa, un mouchrik, un non-croyant, il peut faire avec un djimoun kena iman, c'est pour permission Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une épreuve, un test de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, n'importe dans quelle place qu'il est capable de qu'il soit dans Maurice, qu'il soit ailleurs, qu'il soit dans la Palestine, qu'il soit dans Gaza, qu'il soit n'importe quelle piété. C'est épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un test, comme une calamité pour tester nous, pour tester nos iman. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Baqara numéro 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ nous pour tester les autres. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ nous pour mettre à l'épreuve. Dans quelle façon? بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ avec un tigit de la frayeur. وَالْجُوعِ la faim. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ diminution dans la richesse. وَالْأَنْفُسِ dans la vie. Veut dire, ben, membre de la famille, ben, camarade, ben, des gens qui proche avec nous. Pour moi, Allah prend de la vie. Wassamarad, et diminution de nos ban récolte. Veut dire, de nos ban revenus, de nos ban gains matériels. Allah pour tester nous dans tout ça là. Cinq choses qu'Allah fait mention. Al-Khawf, la frayeur. La frayeur, dans plusieurs façons. La frayeur de dominer et l'injustice des ban koufar et ban mouchrik, un non-croyant. Et la frayeur de plusieurs façons encore. La frayeur, al-jour, la faim. Wa naqsu min al-amwal, diminution de la richesse. Ben problème, la case est brûlée, l'auto vient rendiver, des accidents, ou bien n'importe qui est arrivé. Wa naqsu min al-amwal, wa al-anfus. Ben, membre de la famille, filmo, ben, proche, filmo, ou samarot, et diminution dans revenu. Samarot, normalement, c'est ben, récolte, plantation. Mais ben, ici, nous allons mettre dans un niveau plus large, veut dire revenu. Un dimon, qu'il soit de n'importe quelle façon, il travaille dans un jardin, il travaille dans la plantation, il travaille avec les animaux, l'élevage, il travaille dans son usine, il travaille dans son bureau, il travaille n'importe dans quelle façon. Diminution de son revenu. Il perd du travail, il dégrade dans le travail, ou bien n'importe qui n'arrive, il perd du client, ou bien n'importe quoi. Tout ça là, c'est test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala mette nous à l'épreuve pour tester nous. Ayyukum ahsanu amala, qui s'en a qui est meilleur parmi nous en action. Et un point important, frères en islam, dans ce Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit walanabluwannakum, nous pour tester les autres, bishay. Allah prend dire walanabluwannakum bil khawf, nous pour tester les autres avec la frayeur, waljo. Allah pas dit ça. Non, il dit walanabluwannakum bishay'in min al-khawf. Les pour tester nous avec un tigit de la frayeur. Un tigit de la faim. Un tigit de diminution de richesse dans la vie et dans revenu. Subhanallah. Si nous juste réfléchissons là, qui quantité Allah subhanahu wa ta'ala li Rahman li Rahim li Latif, qui quantité compassion qui Allah subhanahu wa ta'ala est non pour ce bon serviteur ou insan. Imagine si Allah subhanahu wa ta'ala testait nous avec la frayeur plein pour mon bizet. Imagine si Allah testait nous avec la faim plein pour mon visage. Comment est-ce capable? Qu'est-ce qui peut arriver? Mais non. Allah subhanahu wa ta'ala dans son raham qui est envers nous, voilà nabluwannakum bi shay'in min al-khawf. Nous pour tester avec un tigit de la frayeur, avec un tigit de la faim, avec un tigit de diminution de richesse dans la vie et dans revenu. Donc ça fait nous comprendre, frères en islam, qui n'importe qui quantité de test qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire avec nous, être sûr et certain, qui
Allah subhanahu wa ta'ala pour son raham qu'il est dans envers nous. C'est cette tchiguit qu'il peut faire dans beaucoup qu'il est capable de faire. Et qui personne parce qu'on peut suivre pour le faire. Être sûr et certain. La même c'est une grande faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Et être sûr et certain que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire avec nous et quantité qu'il peut faire avec nous, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne pas mettre à l'épreuve un djimoun, ne pas mettre un fardeau ou un djimoun au-delà de sa capacité qu'il est capable de résister, qu'il est capable de sauver. Allah ne pas faire injustice avec insan. Allah ne pas faire injustice avec aucune sa créature. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Ton Rabb Allah subhanahu wa ta'ala ne pas faire injustice avec personne. Donc, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire avec nous, n'importe quelle quantité, niveau, degré, intensité, être sûr et certain, faudrait que Allah trouve nous et non sa capacité là, pour nous capables de supporter sa Tesla, pour que Allah subhanahu wa ta'ala vienne faire sa Tesla avec nous. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, les petits points injustes. Si tu peux faire un test avec nous, qui n'est pas dans nos capacités pour nous supporter. Allah les petits points injustes, si tu peux faire ça. Mais Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, il est adl. Il est juste. Il est hakim. Il est celui qui remplit avec la sagesse. Donc, chaque test qu'il fait avec nous, c'est un test qui donne nos capacités pour nous capables de supporter la cause que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait tester avec nous. Sinon, Allah pas qui vous fait tester avec nous. Malheureusement, qu'ils ont dit, nous vivons dans un système, nous vivons dans une époque, que chaque djimoun lui trouve comme Dieu lui-même peut subir plus beaucoup de problèmes, plus beaucoup de difficultés, plus beaucoup de calamités. Et tous ses camarades, dans bien, les tout seuls qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Ce test qu'il peut subir, ce test qu'il Allah peut choisir pour lui, parce qu'il est selon sa capacité, Allah peut choisir ça, puis décrète ça pour lui, il trouve sa même test qui est plus difficile qui a existé, et tout par les autres tests qui sont camarades peut subir, qui peut-être lui, Allah peut éponger avec ça, ça a un détail ça. Absolument pareil, comment dire, si vous dites à un djimoun qui est dans le diabète, mais qui maladie qui est plus difficile, qui maladie qui est plus grave? Qui vous dit? Malékeya? Conseil? Allez, bêta, gagne tout malade, pas gagne diabète seulement, hein? Ouais, gagne tout malade, pas gagne diabète là, pas facile. Tu n'as pas qu'à manger dans rien, tu n'as pas qu'à manger ça, tu n'as pas qu'à manger l'autre. Gai tout malade, pas gai diabète, bai. Qui fait? Parce que lui peut souffrir de diabète. Celui qui n'a mal de cœur, quand on dit mal lui, gai diabète, pas fait non rien, pas gai mal de cœur, bêta. Pas gai mal de cœur, même pas gai diabète, pas fait non rien. Celui qui t'a conseillé, peut-être aucun plus malade, qui plus pire, qui plus grave, qui conseillé. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui, il peut subir ça, ça peut passer au lit. Il peut ressentir lui. Alors, il trouve ça même plus bien qu'il tout. Il trouve ça même plus problème qu'il tout. Il trouve ça même plus difficile qu'il tout. Et les restes tout, détails. Exactement. Comme ça même nature insane. Concernant les tests et les épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala fait avec un djinn. Allah qui choisit. Yafaluma Yesha. Lui faire ce qu'il y a envie. Là, il s'allou amma yafalou wa hum yusaloun. Personne n'a pas le droit de poser des questions concernant qui il vient faire. Qui vient il vient faire. Pourtant, lui, il peut poser des questions sac insane concernant tout ce qu'il vient faire, qui vient de faire. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il choisit.
Pour celui qui a envie d'une vitesse en forme de maladie. Pour celui qui a envie d'une vitesse en forme de la misère. Pour celui qui a envie d'une vitesse en forme de peines enfants. Pour celui qui a envie d'une vitesse en forme de donner les enfants après les prendre. Pour celui qui a envie de lui donner une vitesse en forme de donner les enfants, garde les enfants là avec lui. C'est moi, les enfants là, ils me plongent dans la drogue. Chacun est dans ce test. Chacun est dans cette épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala choisit pour lui. Et être sûr et certain que si Allah fait choisir cette épreuve là, cette test là, pour nous, pour moi, pour chacun parmi nous, c'est parce que Allah fait prouver nous capables. Subir sa épreuve, c'est pourquoi il est maintenu dans sa épreuve.